le projet Pivert est vraiment le dossier clé et le dossier d'avenir pour Sophie Protéol, qui a été le leader qui a porté ce projet, évidemment avec l'UTC de Compiègne, avec d'autres partenaires qui sont régionaux et qui sont nationaux. Ça devient notre centre de gravité pour tout ce qui est la recherche européenne en matière de chimie verte. Donc Pivert est une association entre privé et public qui, de mon point de vue, est porteuse d'avenir. Et c'est la raison pour laquelle, à la fois grâce à la valeur scientifique des projets qui ont été présentés, grâce, j'ai envie de dire, à l'association entre ces industriels privés et la qualité des chercheurs qui y sont associés, a retenu toute l'attention de la direction scientifique, du comité scientifique du CGI, et c'est la raison pour laquelle ce projet a été retenu. L'UTC et Sophie Protéol et l'industrie qui se trouve derrière Sophie Protéol, Novance, Oléon, sur ce site de Compiègne, c'est vraiment associer des compétences scientifiques, de l'enseignement, puisqu'il s'agit avec Pivert d'ailleurs d'un institut décarboné, donc qui associe de l'enseignement de haut niveau, qui associe de la recherche et des chercheurs, et donc l'association entre des laboratoires publics, des laboratoires privés, et là je pense que c'est vraiment très porteur d'avenir.